Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu Fortnite Battle Royale. C'est-à-dire, je vais vous parler des leaks, des rumeurs qu'il y a en ce moment sur la toile. Allez, on va passer à la première info. Donc, la première info, les amis, c'est sur le skin Indiana Jones. On le sait tous, d'après mes calculs, les amis, le skin sera débloquable à partir du 7 juillet. Et on le sait aussi qu'il va avoir deux pages à débloquer. Et qu'est-ce qu'il va avoir sur les deux pages? Eh bien, on va le découvrir tout de suite. D'abord, la page numéro 1. Donc, on peut voir sur la page numéro 1, les amis, le skin, d'accord, tout simple. On peut voir le revêtement, on peut voir la bannière, on peut voir aussi le sac à dos et la pioche. Donc franchement, c'est pas mal. Je sais pas, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et on va découvrir la page numéro 2. Donc, qu'est-ce qu'on trouve sur la page numéro 2, les amis? Donc, on trouve une carte du chargement, on trouve une émote, on trouve une sorte de spray et on trouve le fameux planeur, les amis. Et oui, le planeur, c'est une sorte de bateau gonflable. Donc dites-moi en commentaire si ça peut être vrai ou ça peut être faux. Encore une fois, les amis, je dis bien encore une fois dans cette vidéo, c'est que des rumeurs ou des leaks qu'ils ont fuité. C'est pas encore officiel, les amis. Je tiens bien vraiment à le dire. Mais c'est qu'est-ce qu'on trouve en ce moment sur la toile. Qu'est-ce qu'on peut trouver. Donc les amis, on va passer à la deuxième info. D'après des leakers, on pourrait trouver dans les fichiers du jeu, on pourrait trouver des sortes de cosmétiques. Donc voici les fameux cosmétiques qu'on peut trouver les amis dans le fichier. Donc maintenant qu'on a vu la première et deuxième info, place à la troisième info. Donc la troisième info les amis, c'est au sujet de l'arbre réalité. D'après des rumeurs, l'arbre réalité va se répandre un peu partout dans la map. Comme on peut voir sur cette image les amis, on voit la racine. Voilà, regardez, ça va se multiplier comme ça. Regardez, on en va en trouver un peu partout sur la map, regardez. Donc d'après le leaker Ipex, on va en trouver à Delhi, à Buté, à Sleepy, à Kando et à Lodjam. Place à la quatrième info. Donc la quatrième info les amis, c'est des rumeurs. D'après les rumeurs, il semble avoir un nouveau ennemi qui va apparaître sur la map. Comme vous pouvez le voir sur cette image, il va ressembler à ça. Et moi, les amis, il me fait penser à l'arbre réalité. Voilà, il a le même allure. Donc, on va le revoir, les amis, attentivement. Mais vraiment, ça me fait penser à l'arbre réalité. Voilà, avec son look et tout. Vraiment, il ressemble vraiment. Après, comme je l'ai dit, les amis, ça reste à confirmer. Epic Games n'a rien confirmé. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. C'est les rumeurs qu'il y a en ce moment qu'on peut trouver sur la toile. Voilà. Et d'après Ipex, les amis, ils vont revenir sur une version différente de couleur. Comme vous pouvez le voir sur cette image, les amis. Voilà, Ipex a dit sur 15 façons différentes. Voici à quoi qu'ils peuvent ressembler, les amis. Voilà. Et d'après la communauté, regardez, voilà à quoi ils peuvent ressembler. Donc, d'après aussi Ipex, les amis, on va pouvoir les tuer. Et quand on les tuera, on pourra récupérer des armes. Voilà. C'est d'après Ipex. Place à la septième info. D'après le chanteur Just World, c'est un anglais, apparemment c'est un anglais. Il y aura un concert. D'après les images qu'on peut voir ici. Voilà, d'après lui, regardez, c'est lui le chanteur. Regardez, il a publié sur le Fortnite. Et apparemment, les amis, d'après toujours lui, c'est un concert qu'on n'aura jamais vu auparavant sur le jeu Fortnite. Apparemment, débloqué durant le concert des récompenses gratuites. Et il suivra. Le concert accompagnera un skin du chanteur. Et il l'a publié aussi sur Instagram. Et voici le skin que qu'on aura avec le concert. Franchement, il est stylé. Franchement, je le trouve super stylé. Place à la huitième info. La huitième info, les amis, dans une prochaine mise à jour, il y aura un événement festival. Après, je ne sais pas si ça sera le 14 juin ou la fin juin. C'est d'après... Donc d'après China, ça serait vers le 24 juin parce que comme vous pouvez le voir sur le tweet, c'est vrai qu'à chaque coup l'été, on a toujours eu le 24, toujours fin juin.
Regardez, en 2020, on est le 30 juin. En 2021, le 22 juin. En 2029, le 24 juin. Donc, je pense que ça serait dans l'Ezola, c'est-à-dire fin juin. C'est d'après Shanna. Place à la 9e info. Donc, les amis, d'après les infos, on peut trouver aussi dans le fichier du jeu les skins qui accompagneront l'été dans la boutique. Regardez. Voilà les skins qui accompagneront l'été dans la boutique. Franchement, ils sont stylés. Si c'est vrai, ils sont vraiment stylés. Il y en a, ils sont vraiment stylés, les amis. La 10e info, les amis, ça, c'est, je pense que c'est l'info que vous attendez tous. C'est les prochains véhicules qu'il va avoir dans Fortnite, les amis. Ça, tenez-vous bien, les amis. C'est vraiment intéressant. D'après les rumeurs, les amis, il va avoir des nouveaux véhicules. D'accord ? Qu'on va pouvoir trouver sur Fortnite. Donc, d'après Apex, les amis, on va pouvoir trouver ce fameux grappin. On va pouvoir s'accrocher sur le bateau, sur les requins. Donc, toujours d'après Apex, les amis, comme vous pouvez le voir sur cette photo, on va pouvoir surfer, les amis. Surfer dans les batailles royales ou dans sauver le monde. Et toujours d'après Apex, les amis, les motos arrivent dans 15 jours. D'après Apex, dans une prochaine mise à jour qui aura lieu dans 15 jours, les amis. Je pense, les amis, que ça sera, quand on sera sur la moto, ça sera les mêmes animations qu'on peut trouver quand on chevauche un loup. Voici à quoi ça va ressembler, les amis, quand on sera sur la moto. Voilà. Voilà comme on pouvait le voir. Je trouve que c'est coréen, les amis. Je pense que ça va être ça. Je pense que ça va être ça, les amis. Voilà, les amis, qu'est-ce que je pouvais dire sur les infos, les rumeurs. Après, comme je dis, faut prendre avec des pincettes. Faut sortir les pincettes d'usage, les amis. Voilà. Donc, nous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura appris des choses sur les prochaines mises à jour. Nous, on se retrouve dans un prochain live. Pour une prochaine vidéo. C'était JT80. Ciao, ciao, bye bye. Bisous. Ciao, les amis. Bisous, bisous.